La vocation, c'est un chemin qui se fait sur plusieurs années. Je devais avoir 7 ou 8 ans. Au cours d'une réunion de famille chez des oncles et tantes, les adultes étaient dans le salon, discutaient. Et le sujet est venu sur les prêtres, sur le besoin de prêtres et du coup sur ce manque de prêtres. Voilà. Et ce besoin de prêtres, ce questionnement, est-ce qu'on aura des prêtres, m'a touché, moi qui étais là, le petit garçon à côté dans le coin, ça m'a touché profondément, personnellement. Et je me suis senti vraiment appelé à ce moment-là à être ce prêtre dont on avait besoin, ce prêtre qu'il manquait. Depuis ce jour-là, en fait, ce désir ne m'a plus jamais quitté. Alors moi, c'est aussi vers 5-6 ans, je pense, que j'ai eu ce désir d'être prêtre, tout simplement par la messe, en fait. J'étais touché par la beauté de la liturgie, par la beauté de la messe. Si je voyais le prêtre, je m'étais dit, plus tard, je serai comme lui. Et ça a été vraiment l'élan déclencheur, et ça m'a habité toute mon enfance en fait, et ensuite mon adolescence. J'ai gardé ça dans le cœur, et j'ai grandi avec ce désir dans la prière. Mais je voulais quand même faire des études, parce que je sentais que j'avais besoin de faire des études avant de rentrer au séminaire. Et j'ai commencé des études de droit, et j'étais passionné en fait par mes études. Et à ce moment-là, j'avais toujours la question du sacerdoce, en fait, qui continue de m'habiter. Après, j'ai eu beaucoup de questionnements au moment de l'adolescence. Je suis allé voir des prêtres. J'observais aussi les prêtres, un peu, puisque désirer devenir prêtre, ça demande aussi de savoir qui sont les prêtres, ce qu'ils font, comment ils vivent. Ça a été un peu le déclic, ces années d'études. C'est vraiment à ce moment-là où tout ce que j'avais pu élaborer comme projet de vie, d'orientation se sont effondrés. Il y a eu un moment un peu difficile pour moi, un combat spirituel. Et seul est resté en moi ce désir profond que j'avais depuis tout petit, de devenir prêtre. Ce qui a été déterminant à un moment, c'est que je me suis rendu compte qu'on ne pouvait pas être chrétien tout seul et que ma vie de foi, même si je continuais d'être fidèle à la messe, je comprenais qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas, en fait. Et je me suis dit, il faut que j'intègre un groupe de jeunes chrétiens. Donc j'ai commencé à être actif, en fait, vraiment dans l'Église. Et très vite, en fait, la question du sacerdoce s'est à nouveau posée, en fait. Il y a eu des personnes, effectivement, mais c'est difficile de dire précisément, parce que ça a toujours été des clins d'œil. Une carte envoyée pour Noël, d'un prêtre que j'avais déjà rencontré quelques années avant. Une rencontre d'un autre prêtre à l'autre bout de la France, avec qui je parle de la vocation. Voilà, des rencontres, des petits clins d'œil comme ça qui, au bout de ces 2 années d'études, m'ont renforcé en fait ma vocation, mon désir de devenir prêtre. Et puis aussi, il faut le dire, un bon soutien de la part de mes parents. Je viens d'une famille nombreuse. 4 sœurs et 2 frères, donc une famille catholique, et c'est vraiment la famille qui m'a porté dans la foi, et le début de ma vocation, donc c'est la famille. Je suis le troisième, en fait, à répondre à une vocation particulière, et je crois qu'en fait, ils s'y attendaient davantage pour moi que pour les autres. Comme on a beaucoup déménagé dans la famille, j'ai eu la chance, en fait, de croiser pas mal de prêtres différents, et à chaque fois, en fait, ça a été des grands témoignages de foi, d'humilité. Oui, je pense que c'est par les prêtres que j'ai eu ce désir de devenir moi-même prêtre, que j'ai entendu cet appel du Seigneur. Du coup, déjà d'avoir ce désir en nous, c'est déjà mystérieux. Il y a quelque chose, on se dit, ça peut pas venir de nous humainement, quoi. Donc et du coup, c'est aussi rassurant, parce qu'on se dit, si c'est un appel de Dieu, alors on peut s'abandonner avec confiance entre ses bras. C'est tout simplement un oui au Seigneur. Il appelle, et je réponds en confiance.